Salut, alors aujourd'hui je vais réaliser du faux sucre. Donc vous prenez une petite tasse ou un petit bol, ce que vous voulez. Vous prenez du sel transparent, je sais pas comment dire. Sel de mer. Donc moi j'ai du transparent, je dirais un peu ça comme ça. Blanc, pas du gris en fait. Voilà, du blanc on va dire. Et on peut le mouliner, c'est un moulin, pardon, moulin qui se règle. Donc moi j'ai acheté pareil au Monoprix, enfin pareil puisque j'ai acheté les pâtes au Monoprix pour faire le whisky, pardon, le biscuit. Mais bon, là on est sur le faux sucre. Donc vous avez besoin de ça. Donc je vais l'ouvrir. Hop, donc il est comme ça. Réglable, je trouve ça pratique. J'ai jamais fait encore le faux sucre. Donc là, il y a un pochon, enfin un petit truc. Voilà quoi. Donc je vais réaliser aussi une banane. Et après, je vais mettre du faux sucre. C'est pour ça que je fais du faux sucre en fait. Je règle au petit. Ça. Ouais, ça marche bien, super pratique. Donc moi je prends du sel hein, parce que le sucre, j'ai peur qu'il y ait des bêtes qui viennent, je sais pas faire, je sais pas, par exemple je sais pas, venir dessus en gros. J'en ai pour au moins un mois hein. Donc voilà. Donc là, c'est fait. J'ai du sel, hein. D'ailleurs, vous pouvez juste laisser comme ça. Ou, si vous voulez, vous prenez une pastel. Pour le rendre plus blanc, prenez une pastel blanche. Ensuite, vous le râpez. Ce que je fais faire un tout petit peu. C'est pas obligé en fait, donc le faux sucre c'est hyper facile à faire. Et en fait, il n'y a rien à préparer, il y a juste à acheter du sel. Et voilà, en fait, comme j'y pense. Hein. Donc voilà. Donc j'ai essayé avec du sel gris, donc c'est vraiment dégueu. Enfin, c'est pas dégueu, mais c'est pas hyper beau. Et ensuite, quand vous l'avez mis sur votre création, bah je vais vous expliquer en fait. Mais surtout quand vous la faites chauffer, remettez jamais du vernis après. Sinon, ça donne ça. On dirait un peu de la pâte à gâteau bizarre. Attendez. Ou du je sais pas quoi, mais franchement. Je trouve ça vraiment dégueu. Ah, ça me dégoûte un peu, presque, justement. On n'a pas trop envie de les mettre, en gros, hein. Donc, vous prenez du jaune. Moi, je vais prendre ce jaune. Attendez. J'ai jamais utilisé, en fait. Donc, je sais pas vraiment. Bon, je vais prendre ce jaune numéro 16. Comme ça. Parce que j'ai un autre paquet, en fait. 16. Vous coupez. Grand bout, je sais pas. Donc le moulage, j'ai fait pareil que dans les autres moulages. Je vous réexplique. Donc j'ai pris une banane, j'ai mis dans le congélateur pour qu'elle soit dure toute une nuit. Ensuite je l'ai sortie le lendemain matin, la banane. Hein. Et ensuite j'ai pris de la pâte Oyumaru. C'est comme ça le sachet. Ça s'achète à Rougi et Play. Et à l'intérieur, il y a des petits trucs comme ça. Hop. Donc ça se chauffe dans une casserole ou une bouilloire ou ce que vous voulez pour qu'elle fonde en gros. Et ensuite, vous la prenez, vous l'appliquez sur la banane et du coup, ça fait un moule comme ça. Donc vous ne l'entourez pas tout autour. Hein. Vous faites juste un côté. Sinon, vous ne pourrez pas vraiment mouler la banane.
Donc là, j'en ai mis pas assez par contre. Bon, on va prendre ça. Malaxé. Faites un petit boudin pour qu'il entre mieux. Vous le mettez. Donc là, il y aura aussi les marques de sucre sur la banane que j'avais prise comme modèle. Donc vous l'arrondissez un petit peu. C'est pour ça que j'en reprends. Voilà. Parce que y a un petit arrondi normalement là en fait. Donc vous faites un boudin. J'ai juste à faire l'arrondi en fait. Parce qu'en même temps, il faut que ce soit joli. On va dire ça comme ça. Hop. Ah, j'ai oublié, normalement il faut mettre du talc dedans, mais normalement, ça devrait aller. Tu dis bien, ça devrait. Ouais, bon. Pouvez la reformer. Juste la remettre encore une fois dedans. Qu'elle soit jolie vraiment. Donc voilà. Fait. Voilà, là elle est bien. Enfin, elle me convient, moi. Je coupe les bouts qui y a en trop. Faites gaffe aussi avec le cutter. Enfin, si vous utilisez un cutter. Parce que vous savez très bien que c'est dangereux, mais voilà. Surtout quand vous changez de lame. C'est en gros la discussion du cutter. Juste que ça peut faire hyper mal. Voilà. Vraiment qu'elle soit belle, hein. C'est ma première banane aussi. Je tiens à préciser. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez mettre de la film au liquide. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez juste la coller comme ça. Mais c'est mieux. Comme ça, voilà. Voilà, et vous l'étalez avec un pinceau. Surtout, vous le lavez bien après, hein, parce que en fait, j'ai bousillé moi-même un pinceau sans le laver après. Parce que j'avais un peu la flemme. Et je l'ai bousillé. Qu'elle va me faire. Vous risquez de vous faire engueuler en plus de ça. Enfin, sauf si vous parlez sur fiche. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre pinceau, vous le plongez dans le faux sucre, et vous en mettez partout.
Donc vous en mettez partout, voilà. Et je vous dis en même temps, vous le chauffez 100 à 120 degrés. Enfin, moi, c'est ce que je fais parce que j'ai pas 110 degrés sur mon four. Mais par contre, moi, je mets 30 minutes. Enfin, je dis ça parce que ils disent 110 degrés pendant 30 minutes, mais moi, je fais 120 degrés pendant 30 minutes. Je vous avoue que ça fait hyper bizarre de porter quelque chose où il y a du sel dessus, franchement. C'est bizarre quand même, mais bon. Surtout que je déteste le sel. Mais bon, c'est très utile. Donc voilà, vous plantez ensuite un clou à œil, comme ceci. Hop. Vous le coupez à la longueur que vous voulez. Vous gardez les bouts. Les extrémités, mais ça peut servir à d'autres trucs. Vous le plantez là où vous voulez. Hop. Et ensuite, bah, vous le mettez à cuire. Comme ça. Donc, oula. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Écrivez-moi si vous voulez que je fasse un tuto de ce que vous voulez. Ou... Voilà, mettez un commentaire. Salut !